Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Phuket et plus précisément de Patong. C'est sans doute l'incontournable que vous attendez, mais voici ma vision de Patong et aussi une adresse sympa pour un massage et un soin. C'est parti! Parmi les incontournables, évidemment, Bangla, Patong Beach, Phuket Land, l'endroit de la fête. Je vous épargnerai les autres parties de Patong parce que c'est pas vraiment mon truc. Parce que c'est une station balnéaire internationale comme vous en avez un peu partout dans le monde. J'ai préféré Kamala Beach. Au niveau de vos déplacements, sur Patong notamment, Patong Beach, vous retrouverez ces petites camionnettes. Ils appellent ça des tuk-tuk ici. C'est un genre de taxi collectif. Alors qu'à Koh Samui, nous avons essentiellement des songtaeo. Des songtaeo qui sont également des taxis collectifs. Toujours parmi les incontournables, le Banzan Fresh Market en journée, qui devient un véritable marché de nuit couvert en soirée. Parmi les incontournables pendant votre séjour à Phuket, n'hésitez pas à essayer le Bangla Boxing Stadium, un endroit pour voir un spectacle de boxe thaï. C'est beaucoup d'animation, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'ambiance, n'hésitez pas. Une adresse sympa pour un massage et un soin. Voilà l'avantage quand on est avec une amie locale, elle nous présente des bons endroits. Ici, pour 550 bahts, on se fait faire un massage des pieds et un soin du visage. Pendant une heure, on se fait faire des papouilles pendant une heure. C'est ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, pour vos likes et dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez à Phuket. À bientôt, bye bye.